Si c'est ZAM pour nous chercher, fond chercher ZAM, fond jeune ZAM pour nous faire révolution. Eh bien, pour nous libérer le pays, si c'est ZAM pour nous prendre, fond jeune ZAM, fond chercher ZAM, nous tout à chercher ZAM pour nous jeune ZAM pour nous bataille. Pour nous mettre sécurité dans le pays, si c'est avec barbecue qu'on a parlé, pour barbecue parler avec Tilapli, Zobogoy, Kilikmoué, même si que nous connaissons ces criminels, eh bien, c'est barbecue qui parle avec nous, barbecue parle avec nous. Nous dit barbecue, nous sommes prêts pour nous parler avec eux. Pour nous protéger les gens qui ne peuvent pas mourir. Les gens qui mourent déjà, nous comprenons que la douleur est grave. Ça qui mourent déjà, famille ou doit avoir une justice, mais par conséquent, pour nous protéger ça qui sont victimes, et pour nous ça n'a fait tout ça qu'on est capable pour nous protéger ça qui sont victimes. Pour nous protéger ça qui sont victimes, il faut dire, monsieur. L'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang. Si oui, dans quel moment? En termes de négociations avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, j'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région. Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur dire, pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider.
Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que, à l'époque, présidente Leblanc, en nom de TPC, CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps, pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est vraiment, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça, c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité d'être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gains. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. T'as le. On nous répond une question Wendell là. Wendell m'a dit, ambassadeur là, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs pour gagner une trêve? Et Wendell, bravo. Bravo et félicitations. Ou sont anciens et très compétents. Et mon cher, c'est un monde, ou son modèle. Je pense que son modèle, que mon yon monde qui voulait faire métier ça, justement, et dans ce style où vous voulez faire là, ou son modèle. Mais pour nous-mêmes qui sommes des combattants engagés, qui peut-être pas gagner, nous pas gagner même ligne, et nous pas faire le même genre. Mais sauf que, nous n'avons micro. En avance. En dans des questions encore. Entretien avec président Voltaire pendant la visite la semaine dernière. Il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gains. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Et non. Alors, question en gain de bail, oui. C'est question à des volets. Et est-ce qu'on pense que la police et l'État, ils sont capables de négocier avec Gagnon? On trêve de paix. Mais quand il y a Wendell, vient acheter ton bagaille. Vient servir avec Gagnon. Ça veut dire que Wendell, question anti-gens, ou bail, et m'capable de dire, et ambassadeur à trois possibilités pour lui répondre facile ou bien en quitter le répondre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré un cessez-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire
les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais, du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes, qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays du Caraïbe et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sont en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent. Il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon, aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces Oui. commentaires? Non, non, non. J'ai vu même aujourd'hui. Et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable,
qui s'est en train de vers le retour vers la démocratie, qui s'est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders du gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera au pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui s'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir la contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, et je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire. Dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de la communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité. Mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole est « il n'y a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf ». Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le process politique. On a vu et on a salué le conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour l'établissement de la commission pour la réforme constitutionnelle, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts Pour de qui est-ce que tu avais en choisir pile les là? gens, particulièrement en termes de sécurité. T'as le, monsieur l'ambassadeur. T'as le. Et bon, je vais retourner encore sous question que Wendell t'a posé, ambassadeur, côté que, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que il y a une possibilité pour l'État haïtien, est-ce que vous pensez que l'État haïtien est capable de rentrer dans la négociation avec Gagnon pour jeter un trêve, jeter la paix en un pays? Pour ne pas même ajouter l'autre, et ça Wendell dit, parce que je ne pas tellement Wendell. Et l'ambassadeur qui répond non. C'est comme si Mnadjo, ambassadeur a fait me comprendre que
eh ben pour yo protéger personnel yo dans ambassade ou bien ambassade yo dans pays yo yo ka parler avec vite l'homme mais même pour me protéger moun tabar qui pa la kayo qui besoin tourner la kayo qui peut-être pas cap vivre dans la rue encore comme si m pa ka parler avec gang nan haïtien calez yeux ndade et calez yeux non mon ti jan commence comprendre en pile bagaille oui mais entendez ambassadeur a toujours parce que gon citoyen là qui pral faire des commentaires sur intervention ambassadeur là tout de suite après ambassadeur là entendez qui sont dédiqués qui veulent avoir des changements qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays. Mm-hmm. Et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement, dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait... T'as l'ambassadeur. Même pour une petite motion là, que m'estimer qui peut être important pour m'apprendre. Désolé, peuple haïtien. Mais il faut me dire un bagaille. Ambassadeur l'a dit, et que son bel bagaille, que ouais, c'est toute classe politique là, et qui décide de mettre tête ensemble pour le travail, pour futur pays, ça, pour demain pays. Et le journaliste a posé question, est-ce qu'on voulait dire que les États-Unis d'Amérique, ben, tout soutien là avec le gouvernement ça, et conseil ça qui là. C'est dit oui et non. Oui, comme si même nous qui avons oui. Et on pouvait. Maintenant, si États-Unis qui États-Unis, moi-même que m'a gardé là, que m'a donné là, m'a vivre là, États-Unis ça que m'a boué là, que m'a commencé à voyager plusieurs côtés là-dedans. Là. Si États-Unis, ça m'oué là, tout ça qui est plus important pour lui, c'est le résultat. Résultat d'abord. Bataille, goumen, résultat qui intéresse. Lutte qui a mené, Ukraine, la Russie, tout le monde connaît ce qu'a fait bataille là. États-Unis, ça qui est important pour lui, elle a cherché. Elle a fini par joindre ni tôt ou tard. Peut-être que Guido a non combat qu'a fait là, Guido a eu l'autre opportunité qu'a bagaille. Regardez pour vous, par exemple, et ce maintenant là gagné premier sommet ou bien deuxième sommet BRICS qui fait dans pays la Russie. Vous sentez que l'autre pays a tout profité de ça pour régler affaire par tout parce que non pendant ça fait là et ben gagné des monde qui exploiter et yon bagaille pendant la fête là pendant que mon a pourri et ben justement gagné des monde qui jeune de l'autre bagaille pour continuer sur vivre. C'est ça la vie. États-Unis ça qui concrète bagaille qui primer pour les résultats. États-Unis qui est plus passé 30 l'année depuis la collaboration avec la classe politique ça. Li pa jamais pas supporter yo. Li pa jamais pas supporter yo. Mais si nous disons comme ça que groupe Fatra ça au Kaba k'ap craser Haïti depuis d'ap craser là. C'est eux même qui boule pays à net, c'est eux craser pays à net, c'est eux qui fini avec Haïti. Pile Fatra ça met tête ensemble là. Nous forcer met tête ensemble parce que ouais que yo t'a perdu net, yo t'a prendre pouvoir parce que peuple a pas vle yo. Nous aider au prendre pouvoir.
Si nous disons qu'on peut solider avec eux, mais faut nous dire pour quel résultat que nous peut solider avec eux. Est-ce que nous avons peuple haïtien? Pour quel résultat que nous peut solider ensemble avec eux? Entendez ambassadeur toujours. Le risque de collapse complet de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir une présidente barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées de, des Haïtiens pour ne pas retourner à ce même risque que les gangs pour gagner. Maintenant, je pense qu'un peu de, des activités des gangs et, que, et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et ce n'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de questions de sécurité, de conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes. Mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes. Quand est-ce que, ou encore, comment est-ce que vous allez augmenter, vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS à l'École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Porte, qui est directement liée avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'est directement, ça, c'était la stratégie de MSS. Parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité font une visite dans une zone, mais ils doivent retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement ils vont retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT et primature bat de l'aile, surtout suite au scandale des trois conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. Ce n'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut, veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Mm-hmm. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces outils qui sont à notre disposition, dans un sens bilatéral, de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. Deux dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. Okay, d'abord, bien.
OK. Si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec le... Bon, maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite. Il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport. Alors, il faut avoir la capacité de transport. Et même, nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors, toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que, bon, pour le fait que finalement il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années, ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi cette comité qui doit proposer un référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que ce n'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections, quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain. Est-ce que sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de la commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique ni du côté de chef d'État ni de chef de gouvernement pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires, de voix. Et nous savons qu'il y aura de côté de l'ONU, il y aura un groupe de voix, les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne a le droit de choisir le propre leader. Merci, Monsieur l'ambassadeur Denis Jenkins, et à bientôt. Non, et merci. Et voilà. Nous t'attendons des ambassadeurs là, monsieur que nous quitter commentaire nous, il a continué quitter commentaire nous. Mais pour faire suite avec pour aider nous comprendre mieux intervention et ambassadeur là et Wendell Théodore fait un travail extraordinaire. Les invités et capable dire nous diplomate Antoine qui pourrait nous comprendre plus et ça que dit
et moi m'intéresser et dit non pour nous t'aider ensemble avec nous parce que il y a deux points que me souligner l'intervention que ambassadeur en fait côté que Wendell Théodore poser la question au clair m'invite en dit ensemble avec nous intervention professeur Antoine en attendant avec un peu d'intérêt. Louis, bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous aider à décortiquer l'interview de l'ambassadeur Denis Onkent. Ah, bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et toute staff métropole, c'est toujours un plaisir. Oui. En deux mots, trois paroles, qui sont retenus comme temps fort ou comme point fort de cette interview? Moi, j'entends l'ambassadeur d'abord parler de un big win, c'est-à-dire une grande victoire, un coup d'éclat en matière de sécurité. Bah, c'est ça extrêmement important. Ça montre que il y a la recherche toujours d'une stratégie appropriée pour la question de sécurité. Maintenant, au niveau politique, moi, j'entends tout que les États-Unis préoccupés par situation délétère qui existait dans deux sens au niveau politique. À la fois, le caractère bicéphale du pouvoir exécutif, même s'il ne dit pas directement, côté conseil présidentiel là avec le premier ministre là, en conflit ouvert, et aussi situation qui prévaut, côté qu'il y a trois conseillers qui ont difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Et moi, j'entendais que l'ambassadeur a essayé et fait se comprendre que ça, ouais, c'est pas ça lié. Comme quoi, il y a des avancées faites en matière de sécurité. Surtout que il parlait de succès. Surtout que il parlait de succès et que c'est à ça qu'a fait la journée, c'est ta une réaction des bandits à des efforts qui faites de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Par contre, si mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien a certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, on ne peut pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, dans la situation dans chez nous, la situation de sécurité a au fait est empirée parce que le fait que il y a deux trois moun dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince là dans Andimi et Odelma avec Pétionville et un petit parti dans Boudon plus ou moins capable de vivre avec quiétude pas signifier pour nous-mêmes haïtiens que il y a des avancées au niveau de sécurité. D'ailleurs, nous avons une mission multinationale d'appui à la sécurité. À ce moment, de tout haïtien, il y a tout son bagage qui est nul. Que Mounsao, c'est tout risqué, c'est ça à dire. Mais l'ambassadeur a obligé, parce que les États-Unis engagent, dépensent quoi et le deal que les États-Unis avec le Canada, c'est deux plus grands bailleurs financiers, les États-Unis en premier lieu. Donc, il a fait effort pour l'ouest. S'il est capable de pas décourager la mission multinationale d'appui à la sécurité. A. Mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui est haïtien, nous avons une police haïtienne qui a bout de souffle, qui a couru dans tous les sens parce que les bandits sont très actifs. Effectivement, c'est parce que il n'y a pas de bon big win. Non. Par exemple, vous entendez l'ambassadeur parler de M. Vitellum, il cite énormément, qui a été fait opération pour essayer de capturer. Bon, moi-même, ancien US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer M. Vitellum, vous avez échoué. Lamentablement, ce n'est pas stratégie ça pour être utilisé, ce n'est pas tactique pour utiliser là, pour être utilisé. Ou moi-même, je te dis bien avant Force Lavigny que les Force Lavigny, première opération d'envergure que mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'y a pas qu'à échouer. Il faut qu'il bien planifié. Au niveau stratégique, il faut qu'il soit bien exécuté au niveau tactique. Si son big win est cherché, il a échoué lamentablement. Pour les conséquences, là, même l'ambassade l'a payé à travers des dégâts collatéraux. L'ambassade a été fait et tout ça, il est capable. Dans la question, on t'a posé pour est-ce qu'il est capable de faire le comprendre, pour l'expliquer, nous, qui rapport qui est entre les États-Unis avec Gango. Avec groupe bandit qui est dans le parage ambassade là. Moi, je crois que quelque part, il y a une salade de mots qui fait l'ambassadeur un petit peu confus.
Moi-même, personnellement, je ne crois pas qu'elle te dit que les États-Unis ou encore l'ambassade en discussion avec les groupes, avec groupes terroristes qui n'ont pas l'ambassade là. Je crois que il est juste et que là, c'est un difficile pour lui expliquer qui s'est passé. Moi, je crois que c'était des dégâts collatéraux parce que je ne crois pas que Bandi réellement voulait attaquer l'ambassade là frontalement en tant que tel. Et je crois que c'est point ça, l'ambassadeur a dit. Mais que l'ambassade là était vigilant, il a essayé de comprendre ce qui a passé dans les parages de l'ambassade, parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique, qui portaient un paquet d'équipements dans le pays, pas qu'à protéger l'ambassade là. Mais je profite de tout pour me dire que les États-Unis pas responsables de la sécurité externe, en dehors de l'ambassade là. Sécurité ambassade là, c'est pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, moi, je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts de moyens pour défendre tête en dedans. Mais c'est de Yoa, c'est sous responsabilité Haïti. Et évidemment, il y a un peu de problème dans la zone. Pour déclarer, il n'y a pas de big win, ambassadeur t'a cherché. Elle n'a pas fait. C'est un échec pour moi lamentable parce que l'approche là, t'es doué, il y a verrouillé la zone. Moun pa entre, moun pa sorti, jusqu'à ce que moun yo soit déposé les armes ou bien yo goumé, et puis et force de sécurité yo éliminé yo. Malheureusement, c'est pas ça que Moi, ouais, que l'ambassadeur a une réponse que le Bayo, il parle tout de risques, gain des risques pour les prochaines semaines. Est-ce que. Bon, oui, parce que. Oui, excusez. Semble votre profil. Oui, oui, oui. Elle parlait de risques pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à d'autres attaques de la part des bandits? Ou bien est-ce que bah, elle parle de revirement? Bon, effectivement, la population espère un revirement. Cependant, est-ce que le possible, c'est une question posée, moi pas dans le secret de l'ambassadeur. Maintenant, on fait un entretien même avec collègue Bouyo, qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique, qui évoquait un communiqué qui était signé, publié, qui dit qu'il y a des mouns mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le premier ministre. Donc, est-ce que. Ambassadeur a quelque part a fait référence à ça. Est-ce que l'ambassadeur a voulu faire nous comprendre, tout comme des messages que vous avez ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, surtout dans la zone de l'ambassade? Bon, oui, parce que dans la mesure où il y a une stratégie qui fait que les forces de sécurité entreprennent des opérations qui soldaient par un échec, dans la mesure où notre ambassadeur a homo, l'idée c'était de capturer Vitalhomme innocent ou bien éliminer-le, neutraliser-le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque fois qu'il y a un échec, ça a, attend-nous à ce que Bandio mette en position stratégique pour être capable de faire en sorte que Jean de Bagay ça pas arrive encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur qui a dit prémonitoire? Si le prémonitoire, c'est un bagage qui est extraordinairement grave. Et nous devons attendre nous à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et je crois que pour l'ambassadeur, en quelque sorte, ce n'est pas ça que je dit, mais limitez-nous en garde contre l'attentisme que les Haïtiens ont gagné sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je ne crois pas l'ambassadeur lui-même, est cadou. Est-ce que le déploiement va poursuivre? Est-ce que tous les policiers avec soldats qui prévoient va déployer souterrain? Il n'est pas capable de ça. Donc, si les bandits en mode offensif, ou ils en mode offensif au niveau de la CAE, ils en mode offensif au niveau de Solino, ils en mode offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis, la police, là, malheureusement, à bout de souffle, avec les moyens qu'ils ont gagnés, qui n'est pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes qu'ils recevront. Donc, effectivement, donc, pour les gens qui vivent à Haïti, dans la zone métropolitaine, là, on doit extrêmement vigilant par rapport à l'enlèvement contre rançon, par rapport à des balles perdues. Côté que même le gouvernement d'où que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc, nous connaissons, nous songeons, ça passe le président, qui a été évoqué matin avec le ministre là. Donc, on va comprendre que
ambassadeur, dans ce sens, quand nous service que nous devons être extrêmement vigilant parce que semblait que le jour aura plus sombre, que aura plus bon. Même parler à l'armée, nous avons analysé par rapport à ça, nous avons des deux côtés, du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. Ambassadeur a dit que il n'y a pas toujours un contrôle journalistique. Là, c'est, je fais allusion à l'image que nous avons, côté que des journalistes ont rencontré des chefs de gang connus. Et l'ambassadeur a dit que lui-même, tout le monde est préoccupé par rapport à ça, même doué connaît que il n'y a pas un contrôle tout journaliste américain qui a rentré en Haïti. Tout à fait. Un journaliste qui a rentré en Haïti, il n'a pas même besoin d'informer l'ambassade là. S'il fait ça, il fait juste pour qu'on est là, si tu as un problème, on dit qu'il a évacué, l'Américain peut évacuer. Parce que si il a laissé rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé ou bien il est en difficulté, par exemple, l'heure où un journaliste est venu, et CNN est venu à rencontrer Vitel Homme. Juste bon ambassade là, moun ki kon zon nan, ouais exactement qui côté ote. Si on va être arrivé, ambassade la pata fan yon pou yo. C'est pas, écoutez, bon, n'te diplomate ambassade là, kon l'homme de deux services, kon moun ki rele, l'di yo kidnappon américain, puis nan tête l'il pense nou taval voye marine, nan libere petit liya. N'di, monsieur, mou chou mal comprenne, nou pa la pou sa. Vous comprenne, même moi que te diplomate, si yo te kidnappé. Vous comprenez, ce n'est pas que Cavalier a pas l'air de débarquer. Donc, non, ce n'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Les journalistes ont fait affaire, l'ambassade qui ne doit pas même au courant. Les journalistes ont allé sur le site du département d'État, la preuve Haïti en niveau 4, pas voyager, l'icône ça. Et l'arrivé, il prend contact li, en Haïti, qui n'a pas rien pour avec l'ambassade. Là, je connais quand il a 5 pavé comme ça. Mais l'ambassade là pas déterminé. Et qui le, un journaliste américain ou bien un freelanceur, un n'importe américain qui décide de la venir là, ou une vidéo sur YouTube, côté où il vient Haïti, ou rencontre gang, l'ambassade là pas aucun contrôle ça, le gouvernement américain pas aucun contrôle ça, moun yo fait affaire pour compte yo, yo prend risque pour compte yo. Ces contacts par eux qui va gagner pour avec les États-Unis d'Amérique, ambassadeur est complètement correct sur ça. Est-ce que pas grand différence ou bien est-ce que il y a une différence entre une attaque sur véhicule ambassade là et une attaque sous ambassade là? Est-ce que grand différence? Bon, et en principe, une attaque sur véhicule ambassade là, si mon tire son sur véhicule là qu'on est son véhicule l'ambassade des États-Unis, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Ouais, parce que le véhicule là jouit d'une immunité diplomatique. En dans le véhicule là, c'est un peu pareil, en dans l'ambassade là. Donc, si vous n'avez pas ça, vous avez bon oui, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Cependant, on dit que on a la rue. Il y a un bagage comme ça qui vivait, il est difficile pour déterminer ce qui passe à qui j'en passe à l'ambassadeur Abdil, mais ça montre qui j'en et même les lieux qui sont réputés être les plus protégés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du base Antibonite, enfin, zone métropolitaine de Port-au-Prince, je me suppose que vous jusqu'à l'Arcaïe, et du base Antibonite et qui j'en. C'est un petit peu une contradiction dans son ambassadeur Abdia, dans sa autorité au Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande, parce que ouais, m'pavle, la situation est extrêmement corsée, je ne peux pas l'ajouter sous lit. Mais ça a démontré dans quel sens que on s'inquiète d'âme, comme moi, ma voix, ou bien comme pour n'importe quel citoyen, ou pour réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Moi, je t'ai posé, ambassadeur, une question sur l'option. Négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour un dégel situation. Et comme je connais que les Américains toujours dit qu'ils ne pas négocier avec les terroristes, et même dans le cas pas noir, je vois que l'ambassadeur en parlait, il dit non, pas de négociation.
Bon, Haïti, son pays souverain, premièrement, malgré tout ça, nous entendons. Donc, ça, autorité haïtienne nous décide de faire, c'est ça regarder et engager que eux-mêmes. Justement. Cependant, Haïti implique dans un contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité, que le Conseil de sécurité, le 30 septembre, qui se passe là, renouvelé mandat avec la résolution 2751. Et puis bon, il y a résolution 2752 qui suit, li, qui établit, qui proroge le régime de sanctions, notamment interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes contre moun kap semé plutôt le deuil ou bien moun kap encourage, moun kap semé deuil dans le pays. Donc, dans le cadre international, ça, li yon ti jan difficile pour l'autorité haïtienne yo entamer un discussion directe avec des mouns qui ont des âmes qui apparentent à des terroristes qui ont terrorisé la population. Il y a une analyse pour l'autorité au fait. Si on fait ça, quelles conséquences ça a gagné par rapport à la relation avec la communauté internationale, d'une part. D'autre part, si on stratégie, côté que l'autorité haïtienne comprend que yo pral entamer un processus côté effectivement il y a cherché des big wins, des grandes victoires, des coups d'éclat, côté il va faire des opérations offensives pour rétablir la sécurité dans les zones déjà assiégées, et que on partit dans la politique ça c'est mettre un programme en place pour que terroristes qui décident de déposer des armes pour être capable d'encourager à déposer des armes que yo pas panique liquider yo a gagné un processus de désarmement pour yo et en fait accueillir yo si vous voulez déposer les armes. Mais dans tout conflit armé en Russie en, contre l'Ukraine gain ça côté si vous voulez déposer les armes pour gens pour accueillir. Donc gain ça à tout et moi que communauté internationale là qui veut le désarmement, démobilisation, désarmement et réintégration. Yo connaît un processus formel dans le cadre du système de l'ONU. Il y a des normes qui établissent qui gens ça fait. Donc gain une différence entre le processus de DDR, j'aime sous décrit là, et des mondes qui cap terrorisent une population et puis qui veulent dire impliqué dans le système politique là pour pas terroriser population. Marge de manœuvre est extrêmement restreinte si Haïti voulait rester dans le carcan international que vous trouvez aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réponses, ambassadeur, à la question sur Salvador? Oui, l'idée Haïti est un pays souverain. Si Haïti voulait entamer un processus avec El Salvador, il a fait ça. Mais je ne suis pas pour l'ambassadeur au mot. Je pense que mon limite, côté autorité haïtienne, nous pas réellement franchi. Il y a un commandement au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Kenya a mené. Et le commandement et le contrôle de la mission multinationale. Donc, là, réellement difficile pour Haïti à entreprendre une activité parallèle avec El Salvador, d'autant plus que la résolution 2699, là, corrigée par la résolution 2751, expliquait que pays qui voulaient contribuer à la mission multinationale d'appui à la sécurité, ils ont gagné pour informer leur fin de discuter avec le Kenya et Haïti. Ils ont gagné pour informer le secrétaire général des Nations Unies que ils voulaient intégrer mission. Et puis ils ont sujet aux règles d'engagement et au concept d'opération de la mission. Maintenant, qui s'arrête d'engagement, oui, vraiment, vous pas connaître qui s'arrête concept d'opération, oui, nous pas connaître. Donc, si ça fait, on va pouvoir Bénin proposer pour venir contribuer 1 500 à 2 000 soldats. On va pouvoir que ça n'a pas réellement arrivé aucun côté parce que mais Haïti lié par engagement que Kenya prend pour prendre le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, l'ambassadeur a dit,